réalité de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Nous ne faisons que ça. Amen. Nous délivrons sorciers. Nous délivrons ceux qui sont victimes. Nous les libérons au nom de Jésus. Amen. Un endroit de délivrance. Ici, nous ne tuons pas les sorciers. Nous ne les maltraitons pas ici. Nous les débarrassons d'un esprit. Pratiquer la sorcellerie. Comment vous êtes? Ici, on envoie des gens, c'est des cas qu'on envoie. Si je continue de parler, j'arrête. On peut s'éteindre. On peut s'éteindre. Comment vous êtes arrivé ici? C'est attendu. Ça veut dire quoi pour expliquer? J'étais à Bissan, les enfants me citaient d'ailleurs pour les meilleurs. Attends, quand t'as dit, je veux bien à ton livre. Non, parce que tu as mal abordé le sujet. Il est petit, quand tu dis c'est ma tante qui m'envoie ici. Là-bas, il y a un peu de temps. Est-ce qu'on peut se taire? Mais vous pouvez vous asseoir, calmer les gens. Vous devez nous aider à construire le centre. Vous devez nous aider à construire le centre. Amen. Amen. Il y a la donne ma voix, ma photo à ta photo, il y a la donne ma photo à ta photo, il y a la donne ma voix, ma photo.
La pluie est en train de déranger le programme tout à l'heure. Nous sommes en train de fournir les efforts pour achever le programme. Amen. Amen. Vous devez nous aider à construire dans le sens, à fournir les tonnes. À Kakoumé, non. Comme ça, on n'aura plus de problèmes. C'est à terre, c'est à l'éca. Amen, il y a beaucoup à faire. Oui, on dit encore à Kano. Alléluia. Amen. Soutenez le ministère. À quel le ministère apporte beaucoup de choses. Oui, on dit encore à Kano. Alléluia. Amen. Je suis déjà très épuisé. Si vous ne me laissez pas continuer, laissez-moi. Ah, on est d'accord avec ça? Allez, boué. Il faut qu'on respecte la présence de Dieu. Et puis qu'on laisse continuer le programme. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Je vous informe que nous sommes dans les mois les plus dangereux de l'année. Et c'est maintenant l'année, la nouvelle année se prépare. Il y a 4 mois, vous savez que le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc les gars commencent déjà à travailler. Nous allons poser une acte prophétique. Il faut commencer déjà à avoir le nom du village de ton père et de ta mère. Parce que la Bible dit que vous avez ennemi les hommes de votre maison. Amen. Amen. Nous allons prier tout à l'heure en posant une action prophétique. Vous allez répartir avec les noms. Quand vous allez arriver là-bas, vous utilisez un tout dans un endroit, vous gardez les feuilles. Le vendredi avant de venir, le prophète. C'est ce qui le caractérise, c'est les actions prophétiques. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Quand vous allez venir vendredi, je vais faire un feu. Nous allons toucher les feuilles. Ils doivent tomber, diable. Alléluia. C'est quand Saül est mort que David est devenu roi. C'est quand Hérode est mort que Jésus est rentré à Jésus. Jésus est un roi sans faute. Il est un roi sans faute. C'est ça normal. Dégage! Alléluia! Amen. Amen. Amen! Nous allons faire tout à l'heure les pains et pieds. Amen. Chacun va s'arrêter. Puis on va parler. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Je vous dis que nous avons des bonnes choses, dans les bonnes choses. Dans les mauvaises choses. Nous allons prouver notre prophétique. Amen. Le temps des actions prophétiques. Il faut que Dieu vous bénisse. Oui. Vous voyez que ça va au il faut que Pénier vous apporte quelque chose. Vous voyez dans un ministère de prophètes. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Il faut que nos sorciers tombent. Il faut que le méchant qui t'empêche d'avoir l'argent. D'avoir l'argent. Amen. Je vous assure. Et qu'ils sont en train de faire trop de Amen. Amen. C'est pas amusement. Alléluia. J'ai dit depuis le 1er septembre, les temps commencent à être très dangereux. Si ne vous levez pas dans la prière, ils vont savoir. Amen. Ce sont les éléments les plus dangereux. C'est ces mois-là que les esprits sortent terriblement. Amen. Amen. J'en profite en même temps pour dire à Daisy. On s'est vu à l'aéroport la dernière fois. Aïe, ça va. Pas de toi, Daisy champion. Je suis ton vieux père. Je suis parti avec Armel. J'ai pris Clément. Je suis venu de la France. Tu m'as appelé, j'étais à l'aéroport. Tu es venu me voir. Ah, le vieux. C'est là mon programme mercredi. Je suis venu à l'aéroport. Tu es rentré. Je lui dis, ah, tu voyages ou pas? Je lui dis, non, tu as l'une de ta bombe. Que tu allais partir après mon programme. J'apprends que tu es sur France. C'est bien. Toi, je t'ai payé le transport.
Je t'ai même annoncé les spots à la radio Divo. Je ne suis pas celui-là qui plaisante avec les programmes. Je n'ai pas aimé ton comportement. Je suis le prophète. Tu es mon petit. Tu t'es converti. Tu deviens quoi? J'annonçais que tu venais prêcher ici. Les gens n'ont pas forcément besoin de délicieux. Tu as donné ta parole. Mais tu ne l'as pas respecté. Il faut que tu viennes un jour. Demandez pardon, ce peu. Viens pas, Adolado, Yanazayo, viens pas.